La polémique ne cesse d'enfler autour de Solène et Romain, deux candidats de mariés, au premier regard qui se sont rencontrés avant de participer à l'émission. Contactée par Télé Loisirs, la production du programme a accepté de répondre à quelques questions. Ce n'est plus un secret pour personne. Si Solène, candidate de la nouvelle saison Mariée au premier regard, n'a pas eu le coup de foudre pour son époux Mathieu, avec qui elle était pourtant compatible à 83%, elle a en revanche eu un rapprochement avec Romain, autre candidat de cette même saison. Depuis ces révélations, la toile s'enflamme et les deux jeunes gens sont sous le feu des critiques. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la production de l'émission est revenue sur cette situation, inédite et nie formellement avoir été au courant de la rencontre des deux candidats. Nous n'étions aucunement informés de cela lorsque cette rencontre s'est passée. Nous ne l'avons su qu'après. Depuis, Romain et Solène ont expliqué ce qu'il s'était passé. Ils étaient tous les deux dans une quête amoureuse et se sont rencontrés, se sont plu, mais ont décidé de ne pas aller plus loin voulant vivre pleinement l'aventure de Mapre. Romain a été totalement transparent avec Delphine en lui, parlant de cette histoire le soir même du mariage. Depuis, si vous regardez le programme, il n'est pas possible de remettre en question la relation sincère entre Delphine et Romain, assure la production du programme. La production a ensuite assuré que les candidats ne se croisent jamais avant le jour J. Un des moments forts du programme est justement cette première rencontre devant Mister. Le maire et notre intérêt est de préserver cet instant, explique-t-il. Malgré cette entorse au règlement, Solène et Romain n'ont pas été sanctionnés, Mapre n'est pas une mission comme les autres. La regarder avec le seul prisme déformant des réseaux sociaux ne nous intéresse pas. C'est avant tout une émission positive qui met en avant de belles valeurs d'amour et de sincérité. S'engager comme le font les hommes et les femmes dans l'émission demande beaucoup de courage et de volonté. Nous ne sommes pas là pour prendre des sanctions mais pour les aider à trouver l'amour, affirme-t-il. Si la production n'a pas dévoilé cette rencontre à Delphine et Mathieu, les époux attribués à Romain et Solène, c'est pour une bonne raison. Ce n'était pas à nous de le faire mais à Solène et Romain de le faire. C'est ce qu'ils ont fait sans que nous leur demandions. Encore une fois, ils sont dans une démarche sincère de rencontre, affirme la production. Reste que pour l'instant, Romain vit une très belle idylle avec Delphine, tandis que Solène ne parvient pas à s'ouvrir à Mathieu.